Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress et une petite bricole que j'ai trouvée à côté. Mais avant toute chose, je tenais à vous montrer ce que j'ai reçu dans cette enveloppe. Alors, si vous avez vu ma vidéo ATC, donc là où je crée ma toute première ATC, je lançais également un appel à un échange. Et Audrey de la chaîne Audrey Scrapalou a répondu à mon appel. Donc Audrey habite au Canada et j'étais vraiment plus que ravie que ma carte parte outre-mer au Canada. Voilà, donc merci beaucoup Audrey de m'avoir proposé cet échange parce que je pensais même pas que ça allait intéresser quelqu'un, très honnêtement. Et puis voilà, il y a quelques personnes qui ont répondu présentes après, mais ça sera l'occasion pour moi de faire d'autres ATC. Voilà, donc je vais vous montrer le courrier donc, que j'ai reçu d'Audrey. Dans ma boîte aux lettres, quand j'ai ouvert la boîte aux lettres, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce courrier? Eh oui, parce que moi et ma mémoire de poisson rouge, hein. Et quand j'ai vu l'adresse, je me suis dit, ah, chouette! Voilà, donc, alors de l'autre côté, il y a nos adresses, donc il y a le timbre, adresse et compagnie. Voilà, donc, j'ai ouvert. Et mon réflexe a été de regarder comme ça, parce que j'ai bien senti qu'il y avait des petites choses dedans. Donc, j'ai ouvert comme ça, je me suis dit, oh là là, tout ça? Voilà, donc. Hop là. Voilà, donc, ma surprise a été grande quand, quand j'y ai trouvé tout ça à l'intérieur. Alors, je trouve ça super chouette et vraiment, je me dis que c'est vraiment dommage que j'ai pas de machine de découpe parce que faire des choses comme ça, de plus en plus, ça me plaît. Je ne sais pas si vous verrez. Oups. Voilà. C'est magnifique. Des magnifiques découpes et je pense qu'on peut en faire de très belles choses. Ensuite, cette jolie découpe magnifique en rose gold. Tout ce que j'aime. Des petites fleurs, comme ça. Alors, elles sont en papier. C'est super joli, on peut faire du coup des superpositions. Une feuille embossée, mais c'est juste magnifique, regardez-moi ça. Je suis restée bête, vraiment. je m'y attendais pas, c'est trop joli. J'avais jamais vu un papier embossé, en fait, fait manuellement. Et bien, c'est super joli, quoi. Ça donne vraiment envie d'investir dans une machine. Ensuite, ce petit papillon, rose gold, également. Je suis fan. Franchement, je suis fan. Petite fleur. Ça, ce sont des petits napperons. Je pense que c'est également découpé dans la machine. Donc, il y en avait trois, mais il y en a un qui a déjà rejoint mon TN. Et c'est marrant parce que à Sostrengren, ils en vendent. J'ai hésité, j'ai pris, j'ai posé, j'ai pris, j'ai posé. Finalement, j'ai posé. Pourtant, je voulais vraiment, mais je trouvais que la découpe... c'était pas assez raffiné à mon goût. Après, ça veut pas dire que j'irai pas les acheter après, mais là, ça fait vraiment dentelle. Et c'est passé dans mon TN automatiquement. Donc, merci beaucoup, Audrey. Ensuite, des petits échantillons de washi tape qui sont trop jolis. Ils sont frais. C'est vraiment ce que j'aime. On garde le meilleur pour la fin. Hein. Donc, cette magnifique carte gorgeous.
Et il y a le petit mot d'Audrey derrière. Donc, moi aussi, je suis vraiment très contente de cet échange. Et c'est mon premier échange comme ça. Donc, je suis super contente, en fait. Voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres avec qui voudra bien. Et donc, je suis tombée sur cette petite enveloppe. Et rien que l'enveloppe, elle m'a fait super plaisir parce que j'aime énormément les nuages. Comme je dis tout le temps, j'ai souvent la tête dans les nuages. Et bon, vous le savez peut-être pas parce que je sais pas si j'en ai parlé un jour ou pas, mais je fais des bijoux et pour faire des exposé sur des marchés artisanaux et dans le titre de ma marque, on dira, et ben il y a le mot nuage. Voilà, donc j'étais fan et ça m'a fait trop plaisir. Et quand j'ai ouvert, ma réaction c'était waouh. Et d'un coup, je me suis sentie toute petite avec mon ATC qui part au Canada. Vraiment, elle est superbe. Donc, c'est une petite gorgeous. Mais alors, vous ne verrez pas les détails d'ici, mais c'est... donc, il y a des paillettes. Oh mince. Il y a des paillettes dessus. Et la peinture... Alors, je ne sais pas si c'est de l'aquarelle, tu me diras, mais on dirait bien. Eh bien, elle est nacrée. Ça fait un super bel effet. Donc là, c'est de la peinture dorée nacrée. Et sa robe est nacrée. Tu me diras si je me trompe ou pas. Et même sur son visage, j'ai l'impression donc ça lui fait... elle est encore plus belle, quoi. Voilà, donc là je me suis dit, non mais Guylaine, ton ATC, vraiment tu peux aller te habiller à côté. Hein. Mais voilà, donc Audrey a quand même accepté l'échange et j'ai cette magnifique ATC. Donc, alors attendez, j'ai oublié de dire, donc cette ATC a été faite le 30 mars 2018, c'est la 1/1. Le titre, c'est l'envol. Donc, Audrey a des réseaux sociaux. Donc, Instagram, c'est Knitty Planner. Ah ben, tu vois, je découvre. Donc, j'irai m'abonner à ton compte Instagram. Sur YouTube, c'est Scrapalou. Audrey Scrapalou ou Scrapalou. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment, vraiment... joli, ça vaut vraiment le coup de faire des échanges avec Audrey. Superbe. Et dans l'enveloppe, il y avait, hop là, plein de petites étoiles dont je vais me servir, bien entendu. Soit dans mes TN, planeur, ATC, création, voilà. Diverses choses. Donc, Audrey, encore une fois, merci beaucoup pour cet échange. J'aurais pas rêvé mieux, hein, parce que le Canada c'est très loin. Voilà, donc elle a voyagé. Elle voyage parce qu'elle est en train. Voilà. Merci beaucoup Audrey et je te fais de gros bisous. On va passer maintenant à mes achats sur AliExpress. Alors, j'ai commandé des die cuts. Toujours parce qu'ils sont vraiment très jolis. J'attendais de vous faire la vidéo pour pouvoir les ouvrir et les utiliser. Je vais vous montrer. Thank you.
Voilà donc pour les die cuts. Ensuite, vous savez que j'ai une boutique Etsy où je vends des Traveler's Notebook en cuir, tout en un en fait, prêt à l'utilisation. Et je n'avais pas trouvé encore un moyen de mettre des poches, ce qui m'embêtait parce qu'effectivement, dans un Traveler Notebook, une poche, même si les tout premiers, les Midori, se vendent sans poche, bon, quand on aime faire la déco, c'est un peu embêtant. Donc j'avais trouvé ça sur AliExpress. Alors, c'est un petit peu ce que les Américaines montrent. Qu'est-ce qu'il a, mon focus ? C'est un petit peu ce que les Américaines montrent, des pochettes en plastique adhésives. Sauf que moi, je ne les voyais pas si grandes, quoi. Elles sont immenses. Et elles sont trop grandes. Donc, bon, après, je peux peut-être, quoi que pour les B6, les formats B6. Bref, pour le moment, je ne les ai pas utilisés parce que j'ai trouvé le moyen de mettre des poches. Donc, ce qui est encore mieux, une poche en cuir. Ensuite, j'ai commandé des planches de stickers. Donc, j'avais commandé il y a quelques mois de ça. D'ailleurs, c'est une vidéo qui dort, je ne sais pas trop sur quelle carte. Des stickers avec plein de nanas. Et bah, j'aime beaucoup. Je trouve que pour agrémenter une page, un planeur et compagnie, une carte, peu importe, et ben c'est bien sympa. Donc, ce sont des planches comme ça. Donc, vous voyez, c'est sur du papier mat. Alors, ce sont des grands stickers par rapport à ma main. Si je cadre correctement, ça ira mieux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est découpé comme ça. C'est super joli. Et puis c'est pas trop mal dessiné. Je l'ai plié le papier. Ensuite, regardez-moi ça. Elle est... hop là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très joli, quoi. Ouais, c'est bien dessiné, c'est... Ça fait un petit peu comme de l'aquarelle. J'aime beaucoup. Voilà, donc il y a des thèmes, hein, nature. Celui-là, c'était bof, je sais pas quel thème c'est. Campagne, nature. La fête. Vous voyez comme elles sont vives, les couleurs. J'aime énormément. Voilà. Et si je savais dessiner, très honnêtement, je ferais plein de choses avec ça. Mais je ferais d'autres choses. Donc voilà pour les stickers. J'ai également pris ces planches de stickers pour Traveler's Notebook, TN, Happy Planner et compagnie. À chaque fois, j'essaye d'en commander des différentes. Donc, vous avez celle-ci avec du foil. Très bonne qualité. Le papier est fin, mais bon, peu importe. Voilà. J'avoue que c'est ça qui m'a fait craquer.
quand j'ai vu les planches là, avec ces petits mugs. Et là aussi, je regrette beaucoup de ne pas avoir le matériel pour pouvoir faire des stickers, parce que je crois que je m'éclaterais à me faire plein de choses, à faire des stickers, à me les découper, à faire vraiment ce qui me plaît, quoi. Cette planche-ci, donc c'est du PVC, donc transparent. Des stickers sans fond. Magnifique. Voilà. Avec du foil. Voilà pour ceci. Une petite bricole que j'ai achetée. Pas sur AliExpress, dans une boutique à côté de chez moi. C'est pour, vous savez, faire un peu ce qu'elles font les Américaines en France. J'ai pas l'impression qu'on fait ça énormément, mais bon, j'aime bien, voilà. Découper la lettre de l'initiale de mon prénom, donc le G, et coller ça sur la première page de mon TN. Donc on verra si j'y arrive, si je fais quelque chose de potable. Et pour finir, je vais vous montrer tous les washi tapes que j'ai pris. Donc, il y en a quelques-uns. Non, c'est pas ça. Il y en a quelques-uns et j'ai craqué. Hein. Vraiment, il y en a des magnifiques. On va commencer par celui-ci.
ça en fait quand même pas mal, hein. Voilà, donc je vous remontre d'un peu plus près. Voilà, comme ceci. Comme ça, ça rend super bien. Je suis fan, j'aime. Et voilà, magnifique. Bon, voilà, ben c'est tout. C'est déjà beaucoup quand même, mais bon, c'est pas sur AliExpress. On sait très bien que ce sont pas des tarifs exorbitants, donc une fois par mois, c'est pas le bout du monde quand on peut, bien entendu. C'est fini. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais